Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'aider l'écosystème. On se lave les dents tous les jours. On devrait, du moins. Et quand on se lave les dents, on laisse le robinet ouvert. On gaspille des litres et des litres d'eau pour rien. Voici une astuce. Fermer le robinet, c'est un geste très simple qui permet de rendre le monde meilleur et plus durable. C'est ça les enfants. Génial! C'est en faisant des petits changements dans notre quotidien qu'on aidera notre planète. Sauvons l'environnement ensemble! Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'économiser de l'eau. Quand nos parents lavent leur voiture, ils gaspillent de l'eau sans arrêt. Et très souvent, ce n'est pas nécessaire. Dites donc, arrêtez ce gâchis! Cette consommation abusive d'eau est très mauvaise pour l'écosystème. Regardez ce que ça fait au lac. Les animaux de cet habitat subissent les conséquences de ce gaspillage. Mais comme toujours, on peut faire les choses de manière plus écologique. N'est-ce pas, Kit? Si on remplit un seau, pas la peine de laisser le tuyau ouvert pendant qu'on lave la voiture. Comme ça, on ne gaspille pas d'eau. Au boulot, papa et maman. Vous voyez, c'est un geste très simple qui permet de faire de la planète un endroit beaucoup plus durable. Rappelez-le à vos parents la prochaine fois que vous irez laver la voiture avec eux. Sauvons l'environnement ensemble. Aujourd'hui, nous donnons une fête hawaïenne. Ça va être super. De la musique, des amis, un bon assortiment de fruits et des Spookers. Évidemment, le docteur Spooky ne pouvait pas rater ça. Berk, ce hamburger est plein de gras et dégoûtant. Comme d'habitude, il a une nouvelle idée malfaisante. Quoi? Un Spooker danseur? C'est ça ton plan, Dr Spooky? D'où vient ce plateau gigantesque plein de hamburgers? Et que pensez-vous en faire? Le Spooker lance tous les fruits! Et il met les hamburgers à leur place! Oh non! Le docteur Spooky a gâché la fête! Et en plus, on commence à avoir faim. Non, Monkey, résiste. N'en avale pas une miette. Ouf, il s'en est fallu de peu. Il y a forcément autre chose que ces horribles hamburgers à manger. Tiens, des noix de coco. Monkey adore les noix de coco. Et il est très doué pour les cueillir des palmiers. Miam! Des noix de coco pour tout le monde. Les Spookers aussi sont invités. Tu as encore perdu. Ils s'amusent tous à cette fête, Dr Spooky.
Ton spooker n'arrête pas de danser. Eh ben, dis donc.